Deuxième jour, moi dans le ministère, je me suis rencontré avec différents directeurs de l'école Psugo. Il y a un monsieur qui dit, ministre, nous venons là, c'est caché, nous caché pour ne pas tourner l'école, nous pouvons venir venir contre la connaissance parce que nous tellement de professeurs qui a fait demande parce que gagné retard dans le versement certaines tranches, eh bien, il faut que nous fassions des choses rapides pour nous. Nous avons conscience de ça, que nous avons difficulté par rapport à ça. D'ailleurs, je me dis non, feuille de route que ni président de la République, là, ni premier ministre en remettent moins, c'est rendre la gestion Psugoan plus moderne, plus fiable, plus transparent, côté chiffre, plus clair, c'est ça que fait. Il y a une première action pour le faire. Non seulement on a continué le processus d'évaluation interne, évaluation externe pour Psugoan, mais c'est arriver à mettre sous pied un cadre scolaire géoréférencé qui peut permettre nous connaître vrai effectif. Donc le transfert a fait, l'arrivée fait vraiment dans l'école qu'elle suppose arriver pour tout le monde qui vraiment inscrit là-dedans pour nous capable de sincériser chiffre, pour nous capable d'avoir intégrité des données pour que pas une hésitation à faire transfert et que le système n'a géré plus bien. Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut améliorer la capacité de gestion en dans le ministère pour ça capable de faire mieux. Actuellement, il y a une discussion qui a fait pour que nous accélérer le processus paiement à Riri Psugoan. Son bail qui supposé fait, même j'aime sous annoncé formellement, conseil des ministres qui prend résolution pour augmenter le salaire, j'aime sous dire en tout, il y a une décision formelle qui prend pour que dans les prochaines semaines, nous résoudre le cas à Riri Psugoan dans Psugoan et son bail qui pas prend temps pour ça et résoudre. Ma problème que le premier mot que le président de la République avec le premier ministre a échangé avec le nous avons discuté sur l'opportunité que je remplis pour cela, le premier bail que je dis, c'est que il y a un plus gros objectif pour que le programme éducation qui est priorité pour vous atterrir, il n'y a pas qu'à atterrir si enseignants, les gens qui sont face à vous, pas dans condition pour travailler. Ou M.S.O.D.I.N. n'a parlé de cadre dans le ministère, mais deuxième bagarre qui est extrêmement important, qui marche de pair avec cadre, c'est motivation et conditions de travail enseignants. Nous connaissons très bien en fin mois janvier, il y a un protocole d'accord qui était signé, qui te permet de mettre en fin. Dans la grève qui était commencée, qui était signée au gouvernement, donc ministre qui était là avant maintenant, plus avec le Parlement qui était témoin, que ce soit président de la commission éducation Chambassin, président de la commission éducation et Sénat, qui était signé avec tout syndicat, côté qui était d'accord sur plusieurs points. Et il y a un point, c'était qui j'ai pour améliorer les conditions de travail personnel enseignant avec cadre qui travaille dans l'administration scolaire. Eh bien, bonne nouvelle que je gagne. Et c'était une priorité qui était bon tout. Donc, depuis que je suis entré dans le ministère, là, nous gardons ça qui a commencé avant et nous compléter. Je dis, moi, je joue pour m'annoncer que depuis semaine dernière, dans la date qui était 16 avril 2014, le Conseil des ministres prend une résolution signée par le président de la République, par le premier ministre et à tout membre gouvernement, côté que dans le projet de budget révisé, que le ministre des Finances a discuté actuellement avec le Parlement, gagne un crédit additionnel d'environ 688 millions de gourdes que a ajouté dans le budget du ministère de l'Éducation nationale pour permettre que lui, je dis, réponde point par point, fidèlement, scrupuleusement, à protocole qui est signé. Permettez-moi de lire pour nous qui Jean ministère aujourd'hui, après l'ITFIN, Chita et Woli, ça qui est dans le protocole là, pour le répartir mon temps ça. Alors, je me dis, premier point, c'est augmentation salaire pour différentes catégories personnelles. Une fois que le Parlement, avec le ministère des Finances, fin validé et que le Parlement l'y ratifié, l'y voté, résolution que le Conseil des ministres signé depuis date 16 avril pour octroyer à secteur 688 millions de gouttes en plus, mais ça va le passer parce que ça correspond à 6 mois augmentation de salaire à ville depuis le mois d'avril, arrivé juste dans le mois de septembre. Donc, il y a une provision faite qui là, sûr et certain, sur 6 mois. Mais qui j'en répartis? Professeur à chair simple qui t'a touché 8 100 gouttes pour le toucher 11 000 gouttes. Professeur suppléant qui t'a touché 9 250 gouttes pour le toucher 12 400 gouttes. Surveillant général qui t'a touché 12 300 gouttes pour le toucher 17 000 gouttes.
Professeur à temps plein, ça fait 20 heures par semaine, même si vous avez 4 heures en plus d'encadrement dans l'école Yotou, qui t'a touché 22 400 goudes, pour le toucher 31 000 goudes. Censeur, qui t'a touché 23 500 goudes, pour le toucher 33 000 goudes. Directeur, que ce soit directeur l'école vacation simple ou double, qui était entre 25 600 pour le toucher 36 500. La même chose pour directeur qui t'a touché 28 300 gouttes, qui va passer tout à 36 500 gouttes. Instituteur, donc dépendamment si vous recrutez, si vous recrutez sans compétence, selon si vous capiste, selon si vous normalien, vous avez moins que 5 ans, ou bien si vous normalien, vous avez plus que 5 ans, eh bien, échelle là, l'ivarié, il t'a touché entre 9 250 goudes jusqu'à dernier niveau, on t'a touché 11 000 goudes. Il va le passer actuellement de 13 000 goudes jusqu'à 16 000 goudes. Donc pratiquement, petit niveau, il passe pratiquement c'est en 30% jusqu'à 60% d'augmentation sous différentes catégories, point par point. Tableau, ça va le public. Demain mardi, le ministère va rencontrer tous les signataires, y compris deux représentants parlement qui ont signé le protocole là. Plus syndicats que nous invitons à venir joindre nous pour nous garder tableau ça point par point, valider, discuter, parce que montant disponible depuis la date 16 avril, résolution formelle signée par tous les membres du gouvernement octroyé 680 millions de gouttes. Ça me donne un dit en plus pour question ça, c'est que ce n'est pas seulement une revendication ça que l'enseignant a gagné, son premier point, parce qu'il est très clair, et pour tout le monde qui connaît, et difficultés et défis, et que monde ça rien le monde enseignant gain l'autre qui en dans système là ça n'a pas les de monde qui en dans système là déjà qui déjà gon chèque que l'a touché mais est ça qui besoin régulariser situation yo. Ça a besoin normaliser et bien actuellement environ 7000 nouveaux dossiers qui introduit tout et c'est ça que parle faire nomination disponible tout pour 6 mois provision faite sous 6 mois bon enveloppe 200 millions de gouttes en plus qu'al joindre secteur plus son secteur qui a un niveau de fonctionnement d'environ 6,7 milliards qui va passer à 8,4 milliards dans le cadre de nouveaux projets révisés qui sont en discussion aujourd'hui avec le ministre des Finances, avec le Parlement, pour que nous soyons capables de faire ça réel, pour que nous gagnions un nouveau maître qui va rendre possible que le programme de scolarisation universelle, ce n'est pas seulement mettre des petits à l'école, mais il y a un maître, il va y avoir un maître formé tout, qui permet que aujourd'hui, nous soyons capables de commencer à penser à remettre l'éducation sous rail. Remettre le sourire dans le sens que nous offrons Timounio opportunités et options pour que nous baguions l'école à plusieurs vitesses selon côté Timounaye parce que nous connaissons l'école qui mieux et qui a plus moyens parce qu'il y a plus mètres, l'école qui a en difficulté parce que non seulement pas d'électricité dans l'école ça y est, infrastructure scolaire, matériel scolaire pas arrivé à temps ou bien pas arrivé du tout donc nous avons plusieurs écoles à plusieurs vitesses dans le pays qui renforcent et remultiplient pauvreté avec inégalité donc c'est tout défi ça j'aime ça dire pour aborder ça pas qu'à faire mon grand mandat ça pas qu'à faire avec un grand ministre ça va prendre plusieurs temps et ça va prendre surtout collaboration pas seulement monde éducatif là pas seulement gouvernement mais reste société en tout pour que l'école nous retire le non discussion politique partisane nous mette le non priorité absolue pour pays hein, pour que non seulement son priorité pour gouvernement ça mais son priorité pour respecter tout.